Jésus. Vraiment, c'est jeudi. Bonne boîte, Jésus. Ma boîte, bonne. Et. Ma ouari digito, ou en ganen. Le Dieu Oridigi a fait un grand miracle pour moi. Et je suis venu ce matin pour lui rendre grâce. Avant que je ne commence ici. J'avais un grand restaurant, ceux qui sont pour que vous me connaissent. Lomé. Et je vais à Lomé. Commerce. Je fais le commerce. Et alimentation générale en gros. Je suis grossiste de ça. Et j'ai mes clients. Je vends. Fifia. Tout est gâté. J'ai fermé le restaurant. J'ai fermé la boutique d'alimentation. Tout ça. Tout est mélangé. Et dans tout ça, quand je trouve un peu d'argent, je vais faire fêter pour dire que ça va prospérer. Et un jour, j'ai pris la décision de ne plus faire fétiche. Et on me dit chaque fois, viens à l'église, mais j'insulte les gens, je dis jamais. Alors un jour, j'ai enlevé la honte de côté, j'ai dit, je vais commencer l'église. Avant que je me mette pied à l'église, j'ai dit à mon Dieu depuis ma maison, je vais pas venir l'église avant la honte. Si je mets mes deux pieds ici, que mes pleurs et la honte de ma vie que cela cesse. Effectivement, j'ai commencé l'église. Quand j'ai commencé avec la prière, la foi que j'ai rencontré le Père. Le 31 décembre 2023, j'étais venu rencontrer le Père. J'ai causé avec le Père. Et Daddy m'a dit, mon Dieu va te restaurer. J'ai dit, d'accord. Je venais à l'église. J'ai commencé un peu. Je commençais à aller au marché. Je donnais ma marchandise au convoi. Et quand je dis, m'insultait. Le 4 avril passé, février passé. Yes. Daddy m'a encore prophétisé. J'étais derrière quand Daddy m'a localisé. Il y a un homme fort qui est derrière moi. Mais aujourd'hui que j'ai coupé le pont, Daddy a encore prié pour moi. Il y a une femme forte qui vient dans ta vie, qui vit dans ta vie. Une femme forte. Une sincère. Cette femme forte te suit même en esprit partout. Juste pour bloquer ta vie. Cela a commencé depuis 2012. Je te sépare d'elle. Je te sépare. Amen. Dans le nom de Jésus. Par le feu. Alors j'ai dit, je ne vais plus confier ma marchandise au convoyeur. Aujourd'hui maintenant. Moi, je loue de véhicules, je mets mes marchandises. Effectivement, tel que Daddy l'a dit, C'est maintenant que le bombe veut déclencher. Elle est venue rendre grâce à Dieu. C'est un témoignage de remerciement parce que les gens se moquaient d'elle. Tout était déjà terminé. Quand elle a rencontré Daddy, Daddy lui a dit, mon Dieu va te restaurer. Actuellement, le Dieu aurait déjà commencé quelque chose de tellement merveilleuse dans sa vie. Elle est venue rendre grâce à Dieu pour ce Dieu qui a commencé parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas alpha ni oméga.
ce qu'il a commencé, elle sait, ce Dieu va le faire, elle est venue pour rendre grâce à Dieu. Si toi aussi tu sais que Dieu va commencer quelque chose dans ta vie, acclame Jésus. Et elle dit que ce Dieu encore n'a qu'à accélérer. Regardez ça. C'est elle-même maintenant qui loue de véhicules, qui met les marchandises dedans. Regarde ce que tu vois là. Quelqu'un qui était à terre, zéro. Acclame encore Jésus. Il y a beaucoup d'images. Regardez ça. La voie, la boutique de divers qui était fermée a été réouverte. Regardez ça. Elle qui était grossiste hier, elle est revenue encore grossiste. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que l'Éternel touche les œuvres de tes mains. Amen. Et que les œuvres de tes mains soient florissantes au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Amen. Merci. Au nom de Jésus. Sinon, va réussir. Bon. Prends ce que tu désires. In Jesus' name. Amen. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.